où? Vous savez ce que c'est ça? C'est une Renault 17 TS phase 2 de 1978. C'est une voiture que j'ai achetée en 2015. Et elle était à peu près dans cet état-là. Quelques petites choses, mais pas bien graves, avec un moteur de 215 000 km. Je l'ai acheté en toute confiance. Mais j'aurais pas dû faire. Et en fin de compte, j'ai roulé 2 mois avec, tout l'été. Et septembre, octobre, j'ai décidé, tiens, c'est bon, allez hop, je la mets sur le pont, je dépouille la mécanique, je refais mon moteur, le fiabilisé, et puis c'est reparti. Malheureusement, quand je l'ai monté sur le pont, je me suis aperçu de certaines choses qui ne me plaisaient pas beaucoup. Et ben, vous savez que ces voitures-là, ils sont découvrables, ceux-là. Et il y a des renforts au niveau des bas de caisse. J'ai pris mon décapeur thermique, j'ai enlevé un petit peu d'anti-gravillon dessous, du basson, ils vont comprendre. Et là, je me suis aperçu de certaines des taux qui n'étaient pas soudés. J'étais un petit peu plus loin, et là, je me dis, wow, c'est pas terrible ça. Et j'ai soulevé la pochette, et là, le plancher était rouillé. Je me dis, tiens, une voiture qui, soi-disant, a été restaurée, pas ça quoi, on trouve des trucs modernes. Bon bref, je lui dis bon allez hop, c'est pas très grave, allez hop, je reprends la voiture. Octobre 2015, je la monte sur le pont, je fabrique un tourne-broche, comme vous allez voir sur les vidéos, et je reprends la caisse entièrement. Et là j'ai vu vraiment des dégâts quoi. Sur les autres, cette voiture-là avait été restaurée, alors certes j'ai vu des photos sur YouTube je crois, mais comme on dit, hein, avant, après, entre deux, on ne sait pas ce qu'il y a eu fait. Un petit coup de peinture, ouais, ça va, ta peinture n'était pas trop mal, hein. Et ça s'arrêtait là. Et vous allez voir la vidéo, bah, j'ai vu beaucoup de choses pas très jolies, quoi. Donc, au lieu de passer un hiver à refaire mon moteur, j'ai passé 2 ans à la restaurer entièrement. Donc, c'est pour ça que si vous pouvez vous faire aider par un expert, et si vous pouvez avoir un bon élévateur pour mettre votre voiture sur le pont, faites-le. Ça vous coûtera toujours un petit peu moins cher qu'une restauration entière. Donc voilà, c'est juste ce petite chose là que j'avais à vous dire. Et puis bah, vous présenter ma voiture. Et puis j'ai fait 15 000 km depuis avec. Hein. J'étais à Tours, j'étais je ne sais même plus où c'est que j'étais déjà, je ne me rappelle plus, j'étais mon fait de kilomètres, je ne me rappelle même plus. Et au moins, on était dans le Morbihan, donc voilà, et bah, je prends un réel plaisir à rouler avec cette voiture-là. Hein, j'ai même plus confiance à rouler avec ça qu'avec une voiture récente. Donc voilà. Ah, le chien qui vient voir ma voiture. Ah, ma petite gâchette. T'as vu la caméra, là? Regarde, oh, la caméra, là. Hein? Oh, ma petite fille. Allez. Donc voilà, bah écoutez. Vous allez voir toute la petite vidéo que j'ai faite, dont je ne vous ai pas mis toutes les photos parce que sinon ça va durer une éternité. Je vous ai mis des photos qui étaient intéressantes. Et puis écoutez, bonne vidéo. Et puis si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Allez, ciao, à bientôt.